canal là désormais c'est un symbole honnête, son symbole souveraineté, son symbole dignité. Raison qui fait que nous tamen on campagne d'information et d'explication sous travail ça, c'est parce que c'est sous leadership nous que travail là il avancé malgré intimidation, provocation et pression dominicaine. Bon, tout le monde connaît qui position toujours gagné par rapport à l'autorité dominicaine qui voulait faire Haïti tourner la cour derrière la caillou. Dans la bataille pour rivière massacre là, moi c'est seul monde dans le pays a comme dirigeant qui fait que nous cap parler de lui parce que m'ai pas de chambre impression les dominicains ont dit pour camper travail là laisse ça m'était premier ministre moi t'ai ministre affaires étrangères à la fois et nous t'ai songé qui bataille moi mener avec dominicain et tout de suite moi quitté gouvernement dominicain yo déclaré comme ennemi numéro 1. Yo mette m nan on liste avec un paquet de bandits, yo di m pa ka rentrer République Dominicaine. Et nous tout connaît, c'est pour position que m te kon pran et toujours apprend sous travail canal irrigation qu'a fait sur rivière massacre. C'est pour ça avant même que nous tamen bataille ça, te kon premier bataille nous te tamen. Bataille pour expliquer la population haïtienne la volonté hégémonique République Dominicaine gagne pour faire Haïti tourner la cour derrière la caillou. Donc, une volonté, ça n'est pas une volonté hégémonique, une volonté de puissance, en d'autres termes, une volonté gros nègre que République Dominicaine gagne par rapport avec Haïti pour dire nous pas capable d'utiliser le travail là. Et pour nous expliquer, m'espérer que nous avons une image qui a passé là. Désormais, ce n'est pas une question de canal. Désormais, c'est un symbole de dignité. Désormais, c'est un symbole de fierté et honneur. C'est exactement ça que fait nous tant mes campagnes d'explication. Ça. Parce que la meilleure façon pour comprendre et approprier des dossiers, il faut qu'on quitte ça dossier. Et pas de trois personnes dans le pays qui sont aussi légitimes que moi-même pour m'expliquer nos dossiers. Parce que c'est pendant que le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, le dossier ça a avancé. C'est après le président Jovenel Moïse qui a assassiné, le dossier a campé. C'est ensuite que je tourne comme ministre des Affaires étrangères, je voyais une lettre à Ariel Henry pour me dire mais qui ça travaille là, mais pour qui ça? Haïti n'a pas dû camper un travail sous injonction République Dominicaine. Ça veut dire sous l'ordre République Dominicaine. Donc, c'est plus qu'un canal. Je dis à ces peuples haïtiens qui approprient le dossier. Et nous pensons dans l'idée, il faut que nous fassions une campagne d'éducation pour nous comme ça, dossier ça y est, et en pile l'autre dossier que nous tamen et République Dominicaine ont un problème avec eux. Donc, c'est un canal de dignité, son canal de souveraineté, son canal d'honneur. C'est ça le travail là, je dis. Et c'est pour ça que je voulais nous comprendre. Avant que je parle avec nous là, je dis, dans la causerie, ça, côté, nous informer nous sur ce travail là, pour que ça me légitime pour me parler de lui, c'est parce que depuis en 2021, avant campagne d'explication, ça, je suis tombé en campagne de résistance par rapport à l'autorité République Dominicaine. C'est une campagne de résistance pour la dignité et pour le respect. C'est ça que fait là, à Chivsa, Radio Métropole publié, pour le dire, Premier ministre Claude Joseph, chef gouvernement, dit qu'il n'y a pas de pression dans la République Dominicaine. Parce que en mois de mai, le gouvernement dominicain fait un pile pression pour nous camper travail là, et en mois de juin, je réponds pour me dire,
Haïti parti la cour derrière la caillou. C'est une campagne de résistance. Et là, en novembre 2021, pendant que j'étais dans le gouvernement, j'ai écrit à Ariel Henry pour me dire qu'il n'est pas question, il faut que le travail a continué, pas gagner et nous ne devons pas prendre pression parce que nous sommes un État souverain, nous avons droit même gens à Kyo pour nous prendre prise sur rivière pour nous arroser jardin paysan. Donc, deux articles, ça, nous là, c'est des articles qui sont publiés en novembre 2021, qui retracent l'histoire de bataille que nous avons menée. Et ça, c'est lettre là que nous avons écrit à Ariel Henry. Lettre ça, nous écrit le 19 novembre 2021. Dans lettre ça, nous disons ça, nous dit là. Un, nous expliquer le travail là pour le pays. Nous expliquer pour qui ça l'important. Pour les paysans en bas plein de Maribaou, mettez en valeur 3000 hectares de terre. Côté y a planté, y a fait du riz, y a fait carotte, y a fait canne, etc. Donc autant de bagailles qui sont importants pour les gens dans le Nord-Est qui pourraient permettre que vous ne pas dépendre à 100% de l'importation République dominicaine. Vous connaissez gouvernement pas pour l'occuper. Au contraire, deux jours après que je viens de voir l'être ça, pour me dire qu'il faut que le travail a fait, l'autorité dominicaine, il y a une lettre là. Et il y a en pile pression, des menaces qui pourraient le faire, puisque je suis dans le gouvernement, et c'est un dossier qui pourrait le faire que je suis dans le gouvernement encore. Là, nous en 2021, novembre 2021. En 2022, mars 2022, dossier ça, tout le monde oublie. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement encore. Il y a un silence total sur le dossier. Et moi, je ne suis pas réveillé le dossier dans le commencement de l'année 2022. Je ne suis pas seulement le monde qui a parlé du dossier. Qui va le faire que toute l'opinion publique dominicaine va le camper face à moi. Et ça, c'est des articles que un plus gros journal en République dominicaine écrit. Donc, c'est un article pour dire que Claude a plaigné parce que travail sur rivière Massacla les campé. Et en août 2023, paysan yo pral bouquet, yo pral décider prendre destin en main. Paysan yo pral décider prendre destin yo en main. Yo débarqué dans Wanamet, yo décidé à support et solidarité population hein, mettez main dans travail là en août 2023 et tout de suite quoi nous connaît dominicain va réagir ça c'est une plus gros journal dominicain va dire Haïti violé un accord qui c'est accord que nous avons signé avec yo en 1929 qui est le traité de paix d'amitié perpétuelle et d'arbitrage. Les Dominicains vont réagir tout de suite, même pour le premier monde qui va démentir les Dominicains. C'est la première réaction que Haïti va faire. Dans le même journal, là, ils ont publié, ils ont dit, ancien premier ministre a dit, Haïti a fait travail là. Et il y a l'autre journal en Haïti, journal, ça va expliquer pour qui ça, moins dit, Haïti a fait travail là. Donc, c'est ton défenseur, l'emté dans le gouvernement, de travail ça, et moi rete en 2023, 2022, pi gros défenseur de travail ça, et moun voile rive pi loin dans la compréhension de travail ça. Et là, tout pi gros journal dans le pays voisin, pour le publier, positionne. Listin Diario, Diario Libre, LDA, tout journal en République Dominicaine, qui est là, pour le dire, mais qui s'est positionné. Et il est extrêmement intéressant, nous parlons pour qui ça est intéressant, parce que c'est moi-même qui pral changer totalement l'opinion publique dominicaine
sur question ça parce que tout allé dans même direction à gouvernement qui te dit Haïti pas qu'à faire travail là. L'aime va commencer republier ou ensemble des documents dominicains va commencer comprendre que gain des manipulations qu'a fait effectivement Haïti en droit pour faire travail là. Et question qu'on nous t'ai posé hier, si nous gain droit faire travail là, pour qui ça Abinadel a fait toute campagne d'intimidation, de provocation sous Haïti jusqu'à ce que vous fermez les frontières pour nous pas faire travail là. Pour qui ça? Et même avant nous, raison rapide, raison simple. Et là, nous dénoncer dans tout journal dominicain. C'est parce que Abinadel n'a une campagne pour élu président encore. Or, en République dominicaine, lorsqu'on est candidat, meilleure façon pour capable attirer les gens, c'est montrer que ou ces candidats qui piraillent les Haïtiens. Donc, d'abord, suite, c'est la caille qui reconnaît magistrat. Donc, nous venons dans le sud pour nous venir parler, causer qui intéressait mon aujourd'hui. Question Rivière Massacre, là, c'est un sujet d'intérêt national. Nous venons expliquer mon pour qu'il soit mieux approprié, parce que par contre, vous connaissez moi-même qui était à la base de dossier ça. C'est moi-même qui travaille, qui fait que je dis à nous parler de canal irrigation sur Rivière Massacre. Parce que nous avons campé ten face avec Dominique Ayo, qui a fait pression sur Haïti pour ne pas faire et canal irrigation. Donc, moi, je vais m'expliquer mon histoire, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise l'histoire. Mais comme sujet, son sujet d'actualité, mais son sujet d'intérêt national. Donc, il est important pour me permettre mon mieux approprier de dossier, pour comprendre que c'est plus qu'un canal. C'est un symbole de dignité, son symbole de fierté et de souveraineté. Nous n'avons pas le droit de quitter Dominique Ayo à faire pression sur Haïti pour ne pas faire travail là. C'est un travail que nous avons un droit pour nous faire. Parce que nous respectons le traité de paix, d'amitié perpétuelle et d'arbitrage que nous signons le 20 février 1929 à la République dominicaine. Avant et là, sous leadership, nous signons un engagement ou bien une déclaration conjointe côté reconnaître que nous ne pouvons pas dévier de loi. Donc, il n'y a pas besoin de faire pression sur Haïti et nous avons demandé la population, il y a même pour approprier des dossiers parce que le gouvernement Ariel Henry dans tête de son gouvernement qui va saliser, qui ne veut pas accompagner la population dans la bataille. Importance canal ça pour la communauté, pour le pays. Pour le pays, c'est un canal d'extrême importance. D'abord, pour les paysans en bas de Maribaou, la permettre que qu'il y ait 20 000 hectares de terre, 3 000 hectares de terre pour 20 000 paysans capables de bénéficier de lui. C'est un projet qui, j'aime vous dire tout à l'heure, c'est plus qu'un canal, c'est un symbole de fierté nationale. Donc, c'est peut-être ça, nous mettons main pour nous et permettre aux paysans, aux populations, comprendre. Matin même, parce que nous, dans le sud, matin, nous avons visité avec l'équipe aidée dans le sud, Port et Bédimel. Donc, et ça, c'est un bagage qui est extrêmement important pour la population haïtienne. Et c'est un gros projet, parce que c'est un plus gros port dans le Caraïbes, là. Donc l'État néglige, nous demandons pour le pays à supporter le projet ça. Et nous-mêmes, en Haïti, nous faisons nos porte-parole de une initiative comme ça, parce que c'est un gros, gros atelier pour le Sud. Qui t'a dit la position du gouvernement haïtien pour le canal là? Bon, mais c'est accompagner les populations, accompagner les paysans dans la pleine Maribaou pour finaliser.